I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Systématique bord, un adulte avec vous, devant. Idéalement, moi et Audrey. Audrey est en France, se sera mis d'accord sur le fait qu'il y a des adultes avec vous devant. Vous allez voir que là, on est parti pour 2h30, 3h de marche à peu près, jusqu'au refuge, c'est facile. Comme vous voyez, très joli, c'est une montée très progressive, un petit peu longue en distance. Encore dans sa version, on va pas dire primitive, mais authentique en tout cas, puisqu'il va être refilé à partir de l'année prochaine. C'est une grosse session de travaux. Ce sera l'occasion, on pourra demander au gardien. Vous allez alterner intérieur, extérieur, ça évite de pourrir le refuge, ça c'est important. Le repas sera pris à 19h dedans, et vous prendrez également le petit déjeuner demain matin. On vous dira tout à l'heure à quelle heure. En rentrant dans la salle, il y a le réfectoire, c'est là qu'on mangera. Vous verrez, il y a un nom par table, donc on doit avoir deux tables, je pense. Et à droite du réfectoire, au fond, il y a des toilettes, des WC, et il n'y a pas de douche, et des lavabos. Des lavabos avec un petit rideau individuel, donc vous pouvez vous débarbouiller là. C'est, voilà, en montagne, c'est un peu spartiate. S'il fait beau, demain, il y a la rivière ici. Très sympa, et derrière le rideau d'arbre, voilà, il y a un petit pont. Et là-bas, il y a son îlot. Décalez-vous un peu, allez plutôt vers les terres pleines en granit, là, un peu arrondi, vers la droite aussi. Proche de la rivière, un peu. Ouais, oui, oui, relativement proche de la rivière. Il y a là-bas, pas, par là. Évitez d'être trop près ici parce que vous allez patauger. Quoi. Donc là, à partir de maintenant, vous avez du temps, le repas étant à 19h, vous avez du temps pour planter vos tentes, donc installez-vous correctement et faites en sorte de bien les poser ces tentes, de bien les tendre, etc. pour éviter que vous preniez l'eau et que ça aille sur le dos. On n'est pas les seuls en fait. Voilà. Et les sacs, on peut les laisser là? Alors les sacs que vous avez portés, vous allez en avoir besoin pour ce soir, donc il faut les amener au temps, parce que vous avez tout dedans. Et demain, on marchera léger. Vous aurez besoin de vos sacs à dos aussi pour transporter le pique-nique, pour transporter de l'eau. Mais par contre, les duvets, les tentes, les fringues de rechange, etc., tout ça, il faudra le laisser là, quoi. Il ne faudra pas oublier les caouets, bien sûr. Le demain, donc là, la priorité du moment, c'est d'aller vous installer. Profiter de la belle éclaircie, là. Ouais, on va installer vos sacs. Vous chauffer. Et on peut se mettre dans le cuvée. Et après, donc le repas est 19h à l'intérieur.
Pas de soucis. Voilà. Alors par contre les gars, si c'est important, je vais l'oublier. État 2005. Là on a combien ici là? Et 1000, un peu plus de 1800. 1845, c'est marqué. Ouais. C'est marqué. Et 65. L'intérêt d'aller là-haut, c'est que c'est un très très joli belvédère. On aura une très belle vue sur tout l'ensemble, sur fond de vallée du Marcadeau. On verra plein de lacs d'en haut. Et après, on va voir si les conditions de terrain nous le permettent. C'est-à-dire si c'est pas trop gelé côté nord. On essaiera de faire une boucle et de vous faire passer par des très jolis lacs. Et si éventuellement ça passe pas, on essaiera d'aller voir les lacs quand même, mais par un autre cheminement. And ain't nobody wanna see you down in the dumps, because you're living your dream, man. It should be fun. Please know that I'm not trying to preach like I'm Reverend Run. I beg you don't be disappointed with the man I've become. Oh, conversations with my father on the A14, age 12, telling me I've gotta chase those dreams. Now I'm playing for the people, dad, and they know me. With my beaten smoke. C'est pas le pain accroché à la montagne. Et c'est l'arbre qui pousse le plus haut dans les Pyrénées, jusqu'à 2500 mètres d'altitude dans la réserve naturelle du Néouviel, qui se trouve un peu plus à l'est d'ici, avec un climat plus sec. Va remonter et arriver un jour où ça sera plus que du bonheur. Oxygen to people that can breathe. I gave away my money and now we don't even speak. I drove miles and miles, but would you do the same for me? Oh, honestly. Offered up my shoulder just for you to cry upon. Gave you constant shelter and a bed to keep you warm. They gave me the heartache and in return I gave a song. It goes on and on. Life can get you down, so I just numb the way it feels. I'll drown it with a drink and out of date prescription pills. And all the ones that love me, they just left me on the shelf. No farewell. So before I save someone else, I've got to save myself. I gave you all my energy and I took away your pain. 'Cause human beings are destined to radiate or drain. What line do we stand upon? 'Cause from here it looks the same.
and only scars remain. Life can get you down, so I just numb the way it feels. I'll drown it with a drink and out of date prescription pills. And all the ones that love me, they just left me on the shelf. No farewell. So before I save someone else, I've got to save myself. But if I don't, then I'll go back to where I'm rescuing a stranger just because they needed saving, just like that. Oh, I'm here again, between the devil and the danger. But I guess it's just my nature. My dad was wrong, 'cause I'm not like my mom, 'cause she just smiled and I'm complaining in a song. But it helps. So before I save someone else, I've got to save myself. Life can get you down, so I just numb the way it feels. I'll drown it with a drink and out-of-date prescription pills. And all the ones that loved me, they just left me on the shelf. No farewell. So before I save someone else, I've got to save myself. And before I blame someone else, I've got to save myself. And before I love someone else, I've got to love myself. Well, I get the thrill run down my spine when I see you hitting me up. I'm feeling so electrified, like the heat of a million suns. You know just one touch can keep me high, and I think I'll never come down. Till a couple days go by, and you know where to be found. Up all night, up all night. To me yesterday, play it over in my mind. It's a crime, it's a crime. How you reeling me in with the games you play, then you hang me out to dry. So I tried to shake you out my head, try to dance with somebody new. But you got those lips so red, and that smoky voice you do. So I know it's pointless anyway, 'cause there ain't nobody else that could light me up so bright and break this crazy spell. Demain c'est grand beau, il fait moins froid qu'aujourd'hui. Parce que nous ce matin il faisait vraiment très froid. Donc également pour assister à cette présentation, la thématique étant donc glace et climat. Mais bien sûr, cette intervention, du coup, elle est aussi destinée, proposée à tous ceux qui le veulent et qui sont ici. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Et d'ici peut-être une centaine d'années, il n'existera plus. Oui, mais heureusement qu'on l'a vu avant. Ça va pas sortir. Bon, peut-être que d'ici là, on n'y sera pas. On n'y sera plus. Alors derrière, vous avez le petit minimal. Ensuite, le chaud 5, donc, qu'il y a entre les deux petits couloirs. Aïe.
et au-dessus il y a le pic de la pic long. Pic long. Voilà, à 3280. Juste derrière, c'est le plus long sommet, le plus haut sommet français. Voilà, Pyrénées français. France, voilà, manger un peu, boire. Ouais, voilà. Et ensuite, donc, on va progresser sur une partie des boulis de gros pierriers comme ça. Donc, il faudra faire doucement, attention, mais ça, je vous le redirai. Et ensuite, objectif suivant, lac d'Estom. Qu'on parle énormément en ce moment. Et qui cause justement cette érosion. Le réchauffement climatique. Pas tout à fait. C'est entre l'hiver et différences de température. Comment éclater la roche. Ça dilate la roche. Ouais, ça se dilate. Et en fait, avec les changements de température, quand ça gèle, ben, vous savez, vous mettez de l'eau au congélateur. Si vous mettez de l'eau entièrement dans la bouteille au congélateur, qu'est-ce qu'elle fait la bouteille? Elle explose. Elle explose. Before I die right into you. Oh, I'm a mess right now, inside out, searching for a sweet surrender, but this is not the end. I can't work it out. How? Going through the motions, going through us. And oh, I've known it for the longest time, and all of my hopes, all of my words are all overwritten on signs. When you're on my road, walking me home, 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 home. See the flame inside my eyes. It burns so bright. I wanna feel your love. No, easy, baby. Maybe I'm a lie. Before tonight, I wanna fall in love. Put your faith in my stomach. I messed up this time, late last night, drinking to suppress devotion with fingers intertwined. I can't shake this feeling now. We're going through the motion. Chien errant, entre autres, ça peut faire fuir les brebis ou les vaches, et selon dans la zone dans laquelle elles se trouvent, elles peuvent sauter une barre rocheuse, et s'il y en a une qui saute, tout le monde suit. Parce que sur chaque extrémité, il y a des arbres qui poussent, et là, il y a un couloir où tout a été dévasté, tout a été emporté par la neige. Et donc, ça descend après jusqu'à la rivière.